Hop, allez, on continue. Alors, on avait pris l'ascenseur. Il y avait des traces de sang. Là, on m'interdit, mais... Oh, d'accord. Non, non, tu vas vraiment par là. Étage 69. Oh. Alors... Coffre. Oh. Pas à droite. Ah. Y avoir nickel. Allez zouf. Et c'est Firas. Attendez, j'entends quelque chose. Avant d'aller voir, checker par ici. Faut faire gaffe parce qu'il y a un truc à... Oh. Oui, à l'aide, à l'aide. Aidez-moi. Ok. Non. Oh, let's go. Oui, oui, On arrive, oui. Au secours! Venez m'aider! Hé! À l'aide! Lem, démerde-toi. Oh, fiche. Oh. Aidez-moi! J'ai toujours rêvé de t'entendre dire ça. Pitié! Je vais lâcher! Ah! Je vous donnerai n'importe quoi! C'est vraiment pas une question de fric, tout ça. Sauvez-moi. Par pitié. Je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, moi, je veux pas grand-chose, en réalité. Si tu pouvais crever, la quasi-totalité de mes souhaits serait exaucée. Mais... je suis sûr qu'il y a autre chose que vous voulez. Mais pour qui tu te prends? Le mec, il veut négocier les pieds dans le vide. Arrête! Arrête! D'abord, tu vas parler du secteur 7, dire toute la vérité sur ce qui s'y est passé. Ensuite, tu vas laver la réputation d'Avalanche. Avalanche n'est à la solde de personne. Jour après jour, notre groupe se bat pour sauver le peuple et la planète de la Shinra. Tout ça au péril de nos vies. Tu vas leur déclarer, la Shinra se soumet à Avalanche. Tu vas le jurer. Lavez votre honneur. C'est dans cela que vous voulez. Je vois que c'est important. Que cela compte plus à vos yeux que l'arrêt des réacteurs Mako ou l'avenir de la planète. Hein? Putain! Vous êtes vraiment trop naïf. La vérité, l'honneur, la gloire, la liberté. Que de vanité frivole. Imaginez, que serait l'avenir sans la Shinra? Un monde sans énergie Mako, tout serait vide et mort.
Croyez-vous vraiment que le peuple serait prêt à endurer une vie de misère pour échapper à la menace abstraite d'une catastrophe potentielle? Ça a dû vous plaire de jouer les justiciers de la planète. Mais le rêve est fini. Oh, pour l'heure, demandez-vous si votre vision de la justice est vraiment légitime. Réfléchissez bien, car votre temps est compté. Mais toi, Président Shinra, c'est quoi la justice pour toi? Imbécile, tu n'as rien compris à ce que je viens de te raconter, c'est ça? Je ferai tout ce qu'il faut pour arriver à mes fins. Saisir toutes les opportunités. Éliminer les gêneurs et les gens inutiles. Je n'ai ni compassion, ni culpabilité. Oh! Ce truc, c'est... C'est ça, la source de tout. Choc. Génération. Ok, pas que du tout. Plus de barre de vie, pourquoi? Tu veux que je reste à l'écart? Je m'en charge. Hop, ça part. Allez, ensemble. Je m'en occupe.
dégager. Fini de jouer. Voilà. Non. Ouais, c'est pas sûr que je voulais lancer. Ils sont tous en garde là. Merde. Laisse-moi faire. Deuxième partie du combat. Troisième partie du combat. Ah non, deuxième partie. Les tentacules. Les deux autres, mais bon. Bon, merci, Chouchou. J'ai changé Mario. J'ai pas changé le titre. Mettez le doute, pourtant j'ai sélectionné FF7. Non, c'est le titre n'a pas changé. Bizarre, parce que pourtant c'est. C'est bien ça, pourtant. Bizarre. Il ne l'explique pas. Une tentative. F5, ah d'accord. Ok, ça va faire. Je sais pas si ça a vraiment une. Oh putain, je sais pas si ça a vraiment. Un petit peu.
menace de tentacules. Voilà, passe 3, c'est parti. Avec la meilleure partie de la musique. Il est bien temps, hein. J'avais vraiment hâte de voir. Ah oui, moi aussi. Je sens qu'on va même pas pouvoir invoquer une fois Bani. Hein. Sauf si on a Barrette avec nous. Allez, on tient le coup. Ah, oh, je suis silence. Qui arrive. Allez, montre-lui Léviathan. J'ai pas le temps. On est de colère. Allez, c'est bien morte. Voilà. Allez. Easy. Bonne nuit, Anaïs.
Bah Barrette n'est pas censée mourir, hein. Je pensais qu'elle a été sauvée. Hein. Tu vas bien? Ouais. Ton destin n'était donc pas de mourir ici. Bien. Merci. Et on fouille. Normalement, fou. Il y a. Ouais, d'accord. Je... Et. Il me semblait qu'il fallait fouiller en fait. On peut pas fouiller, mais il me semble que. Il n'y a pas une matériel ou un objet en fait. Et non, ils m'interdisent. Il faut vraiment que j'y aille. Après. Ou alors faut faire le tour. Là-bas il y a un truc en particulier. Faire. 51, ça devrait le faire. J'étais sûr qu'il y a... Ah, il y a une... On va peut-être savoir dans Rivers à quoi correspondent ces numéros, ces mecs tatoués. Alors justement, maintenant, avant d'aller les voir... Non! Tout va bien? Oh! Alors, tu l'as eu? Il s'est enfui. On devrait faire comme lui et dégager. Hein? Ah bah non, okay, on dégage pas. Vous aurez prévenu, c'est dangereux. On s'en va. Quoi? Dis pas de conneries! Si on se débarrasse de lui, la Shinra ne se relèvera pas! Aide Aerys à rentrer chez elle. Je vais les tenir occupés. Alors je reste ici avec toi.
Occupe-toi d'elle. Barrett. S'il te plaît. Bon, d'accord. T'as pas intérêt à tarder. Soldat par hasard? Dans ce cas, tu appartiens à la Shinra. Un ex-soldat. Je ne vous dois plus rien. Rattrapez les autres. On ne sera pas dérangé. On va d'abord s'occuper du chien. J'espère que tu apprécies les chiens. Tu vas pas faire long feu. Tu me sous-estimes. C'est moi, mon adversaire. Pas de chance. Salaud. Tu ne t'impressionnes pas, c'est ça? Loin de là. J'emmène pas large. Seulement, j'ai ma fierté. Ténébreux me casse les couilles. Oh salaud.
va faire ça à chaque fois ou ça se passe comment? Ouais, en fait, tant que je le pars pas. Tant qu'il est pas en rechargement, je pourrais pas avoir. Ok, c'est pas. Dommage, mon son est parti. Eh ben non, il est passé. Ouais, c'est ça. J'ai vu. Voilà, transcendance à la gueule, Rufus. Ah, mais pas de la fin de transcendance. De justesse. C'est la honte là. C'est toi le héros. Ne me dis pas. Je me demande s'ils s'en sortent.
les a vus se battre. Ils savent se défendre. De toute façon... Bah ben, quoi? C'est pas vrai. Clark! Merde! Hé hey. Faut qu'on aille les aider. Hé hey. Quoi? À terre. Ah, je m'attendais pas à avoir plusieurs teamfights là. J'ai un peu oublié. Pas de rien. Tout va bien. Tout. Barrette! Quoi encore? J'espère que je n'ai pas été inutile.